prestigieuses institutions bancaires au Burkina Faso et en dehors de nos frontières. Un parcours jalonné par des succès éclatants. Et l'homme a toujours su cultiver des qualités qui ont pour nom la discrétion, l'humanisme, l'ouverture d'esprit, la positivité à toute épreuve. C'est, mesdames, messieurs, ce formidable meneur d'hommes, ce manager top de chez top, que nous sommes très heureux de convier à présent à cette tribune. Sous nos applaudissements, Monsieur Jakaria Ouattara, directeur général de Coris Bank International et parrain de la promotion 2021. Monsieur le ministre de la Santé, patron de la cérémonie, mesdames et messieurs les représentants des ministres, monsieur le président du groupe Coris, monsieur le président du conseil d'administration de l'UAM, monsieur le directeur général de Suno Assurance, monsieur le directeur commercial de Orange Burkina, Monsieur le Président du Conseil scientifique de l'UAM, Monsieur le Directeur général de l'UAM, Mesdames et Messieurs les directeurs de société, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises partenaires de l'UAM, Mesdames et Messieurs du corps professoral, académique et administratif de l'UAM, chers parents d'étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant ainsi la tradition établie qui consiste à accompagner la promotion sortante de l'Institut africain de management. Avant tout propos, permettez-moi de traduire mes sincères remerciements à M. Moussa Ahmed Diallo, président du conseil d'administration de l'UAM, pour sa clairvoyance, sa vision, son leadership qui ont permis de bâtir une université moderne aux enseignements de standards internationaux comptant parmi les meilleurs de notre pays. C'est avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision de porter votre choix sur ma modeste personne comme parrain de la présente cérémonie. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est fait à moi et à l'institution que je dirige, Coris Bank International, et j'en mesure toute la portée. Cher Fiol, en prenant comme nom de sortie promotion Coris Bank International, sachez que vous partagez désormais la vision de notre institution qui, en une décennie, est arrivée à transformer le paysage bancaire burkinabé pour se hisser à la place de leader sur le marché et à s'imposer dans la sous-région ouest-africaine, tant par son expansion avec 9 implantations dans la CEDEAO que par ses performances. Notre institution, dans ses orientations stratégiques, accorde une place de choix au développement des potentialités des jeunes Africains et particulièrement de la jeunesse burkinabé, et cela s'est traduit par non seulement la promotion de nombreux jeunes cadres à des postes de responsabilité à tous les niveaux et échelons de la banque et le soutien et l'accompagnement constant du secteur de l'éducation
et de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Chers filleuls, la cérémonie de ce jour vient couronner vos efforts et votre abnégation au travail, et je vous en félicite. Il faut le souligner, c'est aussi le fruit du travail d'une équipe d'enseignants de qualité et de profils divers qui a su vous transmettre le savoir-faire et le savoir-être pour vous permettre de comprendre et d'appréhender les nouveaux enjeux auxquels les entreprises doivent faire face. Je voudrais donc adresser mes vives félicitations à toute l'administration de l'Institut africain du management pour sa vision, son engagement sans faille de former la jeunesse de notre pays et de mettre à la disposition de l'économie nationale des ressources humaines compétentes, mais également des futurs promoteurs d'entreprises capables de relever les défis que la nouvelle donne mondiale commande. Chers filleuls, au cours de toutes ces années d'études passées à l'UAM, avec l'aide de vos parents, que je salue de passage, de vos professeurs, vous avez reçu une formation et des compétences, mais également des valeurs qui feront de vous des femmes et des hommes qui seront réussis partout où ils seront et participer ainsi à la construction de notre pays. Je n'ai aucun doute que vous y parviendrez au regard de vos excellentes performances, de votre parcours universitaire et du label de qualité de la formation à l'UAM. Chers filleuls, dans cette nouvelle vie qui commence, auréolée de votre parchemin, je voudrais vous exhorter à poursuivre votre ascension en cultivant et en développant les valeurs de travail, de dynamisme, de rigueur, d'intégrité et de probité, mais aussi et surtout d'humilité, comme le patron de la cérémonie venait de le confirmer. Quel que soit le secteur d'activité, le choix professionnel que vous viendrez à faire, ayez l'esprit d'entreprise. Ayez de l'audace, du courage et de l'imagination. Restez solidaires et soudés et vous réussirez. Chers filleuls, je voudrais à présent vous traduire ma constante disponibilité à vous accompagner dans vos besoins d'apprentissage professionnel, de conseils d'insertion professionnelle et de financement de vos projets d'entreprise. Ovation encore plus fort pour notre parrain. Un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort.